d'affaires. Faut que monsieur quitte. Et puis le président, pas président pas qu'on fâché. Le président fâché, il a fait gros malheur. Son gros bail qu'on dit là. Au président qui trouve moi fâché, pas je venais depuis la palette de comme la frappe de ce mais bon, moi, quand on t'y boue, cap rani en bon charge. Je venais juste pour comprendre que dans la position là, c'est sourire aux lèvres que le doit faire tout bagarre avec le calme le plus serein. Quand on t'a tout pas rien qu'à déranger parce que tu es président, ou à cas aussi bon Dieu fâché, mais comment on comprend ça que les pouvoirs, non? Ou à cas aussi bon Dieu fâché. Ouais, quand si bon Dieu fâché. That's true. Et puis il lâche, il y a une planète, il y a une femme à l'autre cao. Et puis qu'on y a tout le monde, c'est la fin du monde. C'est grave, oui. On a un président, je me regarde, je venais toute la journée qui fâché. Et puis qui convient comme nous, comme un café, mon père. Moi, je ne suis pas en train de. Non mais écoutez, non mais il non même, dis, même, non même, je l'ai posté sur Twitter. Laisse-moi te dire, Evans, le danger avec ce peuple, le danger avec ce peuple depuis m'konen. C'est lui qui prend la rue, et puis là, il finit, il choisit un tel comme leader. Mm-hmm. Le danger, c'est là. Mm-hmm. Puisque tel comme leader, il n'y a pas eu à ce moment-là de designer. Dans la politique, il faut un designer. C'est comme tu as dit, il y a un architecte. Il y a un architecte qui ne travaille pas avec tout boss sur le mm-hmm. fait plan Kaili. En lumière, une grande feuille blanche que l'étaler, et puis dans sa tête, il a déposé étape par étape une maison. Oui, mais pas de monde qui vient sur ses fuses. Mais maintenant, il faut respecter les règles du jeu. Il est architecte à son titre. Donc, il a la compétence d'être, pour travailler dans ce domaine. Mm-hmm. C'est pas qu'il a la science infuse. Il va devoir s'adresser dans une prochaine étape à des ingénieurs. Mm-hmm. Il est ingénieur architecte. Mais les ingénieurs vont être adressés. Et les ingénieurs vont adresser maintenant les contremaîtres. Les contremaîtres vont adresser les boss. Mm-hmm. Et enfin, le cas la fin de montée, on va dire, crête, regardez, mais tout a commencé quelque part. Donc, dans cette affaire de politique haïtienne, il faut que le peuple, comme tu as dit, suspende, croit que à lui-même, il ne peut pas joindre solution à toute une série de problèmes. Sans ça, il a toujours gagné 6, 7, 8, il a toujours gagné 7 février, il a toujours une série de dates, et puis le regard, ouais, c'est de jolis rêves qui se terminent en chiffon de papier. Mm-hmm. Donc il ne faut pas qu'il pratique, qu'il se laisse rentrer dans cette ère de dire d'exclusion, là où il a dit que, pas m'pa dire pour quitter Yonek Vin ou Libre, sous un mouvement, parce qu'il est dangereux. Important. Parce que Negio, gardez bien pour vous, c'est des Dassoumans qui occupent la première place dans la société haïtienne. Quand je parle de Dassoumans, c'est des gens qui savent prendre d'assaut des situations. Ok, now, quand tu parles de société haïtienne, de quoi tu parles exactement? De la politique haïtienne de manière générale. Ah, ok. Ça veut dire que gardez bien pour vous. Je pensais que tu parlais non seulement de la politique, mais aussi du secteur privé. Même aussi nouveau du secteur privé. C'est des gens qui ont pris d'assaut l'économie haïtienne. Okay. En nous gardant, on va rentrer dans un gros chapitre là. Laisse-moi te dire, il y a une lutte dans les rues là, ou du moins en Haïti. C'est quoi? C'est la lutte des soldats ou la lutte des généraux? C'est une guerre des avoirs qui possède dans ce pays. Tout à fait. Donc si c'est la guerre des avoirs, donc c'est l'affaire des grandes personnes. Tout à fait. C'est l'affaire de ceux qui possèdent de l'argent, qui ont investi leur argent et qui voient qu'il y a une menace sur leur investissement et qui essaient de frapper le poing sur la table pour comprendre exactement quand ils vont aller. Alors toi, en tant que sénateur, tu penses que le mouvement qui se fait là avec les jeunes, c'est un mouvement qui a été financé par... Non, je ne dis pas que ce mouvement a été financé, mais ce mouvement peut être infiltré ou du moins va... être infiltré ou doit être infiltré. Ah. Parce que quelle que soit la situation, on ne pourra pas trouver une solution sans la participation de tout le monde, sans faire de l'espace un espace consensuel. Parce que le problème est réel et ça concerne tout le monde. On ne peut pas dire qu'on pourra faire une révolution économique sans les gens qui possèdent. Non, pas, il n'y a pas en sortir de là. Donc, si vous dites que vous pouvez faire une révolution économique, même pour créer richesse, pour la création de nouvelles richesses, mais tu vas le faire sans celui qui possède. Il faut avoir cette capacité d'adresser le problème à celui qui possède, mais tout en lui demandant de faire partie de la solution du problème. Ok, tu viens de me dire, par exemple, que tu as reçu des menaces. Qui compte penser que menace ce type? De part et d'autre. Bamdou, par exemple, gardez bien pour voir qu'on guerre entre l'exécutif et le législatif.
m'a pensé dimonio ça en maître reprise en faisant le signe de la croix en adressant le Père, le Fils et le Saint-Esprit en disant que on ne me l'a pas appris de manière différente. Mm-hmm. Quand on fait le signe de la croix, on s'adresse obligatoirement au Père d'abord, tout à fait, le Fils ensuite et le Saint-Esprit après. Et ceci c'est pas pour dire que Dieu n'a qui plus faible ou bien qui plus fort. Mm-hmm. Parce que Dieu c'est la Trinité. Donc s'il y a qu'un seul Dieu en trois personnes, c'est ce qu'on nous a appris. Mais on ne dit jamais au nom du Fils, du Saint-Esprit et du Père. Ah non, pas du tout. On ne peut pas. Eh bien, même Abdou Sakrivé, ce même problème existe dans la politique haïtienne. On parle, et regarde-moi bien dans la Constitution, on présente les trois pouvoirs et en disant nommément le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, mm-hmm, et le pouvoir judiciaire. Jette un coup d'œil dans ta constitution. Ouais, ouais. Donc, si il faut tenir compte à son tour de l'ordre numérique des choses. La hiérarchisation aussi. Évidemment. Ouais. Donc, ce n'est pas que le pouvoir législatif est le plus gros ou le premier des trois pouvoirs, non. Mais tu vois, les gens qui ont écrit cette constitution, ceux qui ont fait des analyses avant de rédiger la constitution, ont fait toutes ces analyses. Même au niveau du de la Trinité, même au niveau de croyances religieuses, où quand on fait le signe de la croix, on s'adresse au Père d'abord. Pourquoi ce qu'on est? Parce que c'est le Père qui a légiféré. Ouais. Les 10 commandements. C'est lui qui a créé le monde. Ouais. Donc il a légiféré. Mm-hmm. Donc le pouvoir législatif est considéré comme le pouvoir divin. Le premier des trois pouvoirs. C'est la raison pour laquelle qu'on passe par ce dicton Vox Populi, Vox Dei. Yeah. C'est la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc le pouvoir législatif, c'est le pouvoir qui reflète la souveraineté nationale. Et c'est ça que fait ce pouvoir exécutif, à vouloir diriger, commander le pouvoir législatif, à faire des manœuvres, à infiltrer, porter des accusations, menacer, attaquer. Vive tentative d'assassinat à Café Trio. Les gens ne comprennent rien. Et jodi a attaqué le parlement dans le bâtiment. Il a demandé pour racheter, bouler, etc. Toutes ces menaces sont en provenance du pouvoir exécutif ou des fanatiques zélés du pouvoir exécutif qui, à vouloir contrôler ce pouvoir législatif qui est censé être le pouvoir, le premier des trois pouvoirs, avec toute sa liberté de légiférer et de contrôler, eh bien, ça pose un problème et les menaces pleuvent. Comme Simtadou, on est à marcher là, c'est chaque jour à demander qui joue. Ouais, mais c'est bizarre que tu reçoives des menaces, parce que, c'est bizarre que tu dises avoir reçu des menaces, parce que on sait pertinemment que ou sont alliés PHTK. Et si vous demandez tu n'es pas un allié du PHTK? Non, pas fait ça. Moi-même, pas me dire. Ouais. Non, pas qu'on est. C'est une question que je te pose. Je suis membre fondateur du parti haïtien Tête Calée. Être un allié. Être un allié, vous dire que son monde, comme t'as dit, qui vient jouer. Non, je suis membre fondateur. J'ai signé l'acte de naissance de ce mouvement du parti haïtien Tête Calée. Ah, ok. So, tu avais abandonné Vérité ou bien Unité ou whatever ça dit? Non, je n'ai jamais été membre d'un parti. Ah, okay. Avant, okay. Mon premier parti, côté mon premier parti, c'est PHTK. Je suis le premier citoyen de PHTK actuellement là. Et pas Jovenel. Oui, mais quand là on est un coup à demander par exemple Côte Cop et Petro Caribéaï. On va rentrer dans un bel espace. C'est pas comme t'as dit, n'est-ce que vous voulez faire PHTK comprendre, depuis qu'on dit voilà, c'est pour répondre présent. Et c'est l'erreur qu'ils ont commis. Ah bon? Ils ont commis l'erreur parce qu'au fond, depuis, on dit voler, et puis on dit, et c'est pas moi. C'est pas vrai, c'est pas forcément PHTK qui gargotait tout l'argent. Parce qu'il a commencé depuis ce préval. Écoutez donc, on parle de la corruption. Donc Petro-Caribe, c'est un chapitre de la corruption. Mm-hmm. C'est pas la corruption en général. Il faut que les gens comprennent ma position. Mm-hmm. C'est pas la corruption de manière générale parce que tout l'organe de corruption dans le pays d'Haïti, on va le saisir. C'est ça qui fait besoin d'instance internationale pour poser et rentrer dans le dossier. Mm-hmm. Pour voir combien de monde sérieux qui parle ou bien ou faire gracier ou bien on fait, comment on va ça, amnistier ou bien que ou rentrer dans la logique ou pas en prison assez. Et on va obliger de bâtir des prisons inconditionnées parce que pas quelqu'un de nègre à costume qui est impliqué. Non mais, il n'y a pas qu'à conditionner. Oh, inconditionné, bon, j'en mate là, parce que quelqu'un de nègre ou pas pour nègre. Tant que qui est-ce? Bon, c'est de nègre ou pas pour nègre. Tant que qui est-ce? Non, pas comme ça. Souvent, je me réfléchis.
mais après quand c'est des nègres ou pas qu'à mettre dans prison sans mat là parce que nèg ça son nèg pour mettre dans prison côté qui gagne un frigidaire donc qu'est-ce qu'on cause ma conne de qui est son palier ou pas bien connaître mon capteur de cap garder ou pas bien connaître ou pas bien connaître pas rentrer dans parole monde innocent. OK OK c'est pas trop monde est-ce que si nous faut retourner dans la culture là est-ce que par exemple, tes chansons sont diffusées à longueur de journée, en paquet de côté. Mm. Est-ce que tu reçois par exemple des royalties pour Bayada? Ah oui, je suis membre de l'Assassin. Non. Au niveau de Haïti, oui. Moi-même m'inscris, moi fais déposer pièces. Moi, BHDR, right? Oui, mais ouais, que c'est. Moi, yo ont une idée. Donc c'est bien d'avoir une idée. Donc, ah bon? Oui, mais au fond, c'est une idée seulement. Hein? Son idée. Donc, je pense que faut bailler autant pour faire mise en place ça. Puisque, gagner de ça, ou tarile, comment ou le bailler ça, ou gagner de exemples que l'homme voulait aller vers un point de réussite, gagner des exemples qu'on a dû saisir, par exemple. On n'est pas. On est des pionniers de la liberté, mais sachez que la liberté, le mot existait avant. Mais probablement n'avait aucun sens. Donc on a donné un sens à la liberté en faisant la révolution contre l'esclavage. Mais de même qu'on doit penser à une révolution culturelle qui doit gagner une génération qui vient bailler un sens à moi qui est les droits d'auteur. Mm-hmm. Parce que même pas ouais, que beaucoup de gens recevront feedback de ça et au fait malgré que nous t'ai pris le temps pour mal inscrit mais j'ai pris le temps aussi de mal inscrit pour moi exactement que mais juste qu'on y a ouais et c'est parce que pour que bagaille soit existe il faut qu'il y ait une politique bien définie et il faut qu'il y ait une politique de l'État. Tu vois, l'État doit avoir une politique culturelle définie. Ça veut dire que donc il y a une loi qui t'a supposé voter. Non seulement la loi qui t'a, il y a une loi qui là, mais maintenant pour faire. Pensez que la loi là. Ah oui, si vous faites des recherches dans la constitution après qui force qui ça la loi bail. Il y a des références malgré que la constitution pas là même la prochaine fois nous ca bail, même Abdou Sakrivé, il y a des lois qui votent pour renforcer la culture. Il y a des démarches qui entreprennent, mais qu'on y a là le regarder dans budget national là. Parce que quelque soit sauve réaliser comme projet, et il faut penser à les moyens, aux tout moyens. Tout à fait. Donc c'est ça qu'il faut pas un plan A jusqu'à Z. Ou un plan A, et pour qu'on ait un plan B, c'est parce que moyens sont limités. Ouais, moyen qu'on mette des plans B, il n'y a pas même quantité moyen qu'on mette des plans A, parce que dans plan A, c'est le pic où elle la donne, mais on quitte 50% de réserve si encore échoué dans plan A ou dans plan B. Il nous faut les moyens de sa politique. Regarde-moi bien dans la loi des finances, les lois des finances haïtiennes, ce qu'on réserve à la culture, qui pourcentage, et le finance, regardez bien, pour soit pour un gouvernement de coalition, et ou après que les gens qui sont pouvoir le premier ministre Alba ou c'est culture tellement que on a que te mettre ministre culture et puis il mourir avant écouter seulement parce que pas même rendu compte que, mon cher pas même rendu compte que c'est plus gros ministère c'est non ça t'a supposé plus gros ministère regardez plus gros ministère qui t'a doué gagner parce que ouais moi-même ouais m'ta président chaque jour m'a siégé 2 heures dans le ministère de la culture. Ou du mes enfants mal n'a pas aller national lui enfant mal siéger 8 heures de temps m'a fait 2 heures de temps ou bien avec le ministre de la culture, ou bien Chita même dans le ministère de la culture. Ou pas parce que y a des présidents qui te disent même bagarre, et puis leur arrivé dans le pouvoir, et puis bah, et système de bagarre. Tout le temps, moi, Michel, nous n'en compte pour ça. Ah bon? Tout le temps, m'a dit, ouais, ou pas ce président, ouais, ou va régler dans le bagarre. Yes. Ouais, ça n'était qu'à régler, si yes. Tout le monde pas organisé. Je me dis, hein, il n'y a pas organisé. Ah, m'bat compte, sur tes. Oh, moi, monsieur, nous. Oh, ah. Moi, Michel, c'est deux bons partenaires, mais nous fait compte tout le temps. Moi, Michel, c'est deux bons amis de 35 ans, même pas quatre monde qui j'en pour ta rentrer vraiment entre moi et Michel pour venir faire me comprendre l'autre bagaille. Mais moi, Avel, et c'est ça qu'il faut pas prendre plaisir par la velle devant moi, mon tempérament. Talé, il court sur le bon coup de poing, bagaille même pas n'a pas le coup de poing. Je dis que je suis toujours dit ça, dès vous aurez les maps par la cour, on choisit par la cour en tête à tête. Yeah. En aparté. En aparté, nous chita nous, n'a pas de nous, et puis m'dou ça me pense. Il est vrai que payer sa chair parce que dans la politique l'autre on est tout son pensée honnêtement c'est pas vraiment pour aider c'est le plus souvent pour mettre dans une situation difficile donc moi prends plaisir à arrêter sincère avec monsieur et côté il y a des bails moi mais ça vous prend plaisir à arrêter sincère oui vous prend plaisir parce que ça coûte même le laver m'a tout ça me procédé en danger Raoul Denis Junior fait voyez ben loi 2005 sur droit d'auteur révisé en mars 2018
doivent être soumises au Parlement par l'exécutif pour ratification. Oui, Tira et moi, nous en avons parlé et ils ont document en main. Ah, son gros bagage, oui, loi ça. Bon, il faut qu'on avance, Tira. Mais maintenant, c'est trouver le calme politique. Tout bagaille doit être fait avec... Pour ça, c'est calme, besoin. Regardez, turbulence politique. Alors, nous avions Evans ou après New York, et pourtant d'avion... Ah non, on va vous parler de ça. Pourtant d'avion absurde au canon... Après ça, on va du vent. Après ça, comme exemple. Non, après, explique-moi, c'est tellement de turbulence dans la politique haïtienne. Non, on va pas foutre du bon verre du vin. Or, la culture, c'est se désaltérer, c'est... Tu vois, m'a parlé avec en profondeur que... Tirable comprendre ça, oui, comprendre. Oui, mais faut que tout le monde comprenne. Tout le monde comprenne. Mm-hmm. Ou pas qu'à parler. La culture, c'est l'âme de qui d'une nation, carrément. Qui désaltère aussi. Tout à fait. C'est comme si on était au beau milieu de nous. Moi, j'en dis là. On a besoin d'un goût de l'eau pour désaltérer. Moi, j'en dis là. Ou pas qu'à venir pendant l'avion presque tombé, et puis ou même moi, boire du vin. Moi, j'en dis là. Trop de turbulences politiques nous empêchent d'introduire les vraies solutions, les vrais problèmes au niveau de la culture. Non, mais il n'y a rien à introduire. Puisque tu viens de me dire, tu viens de confirmer que les lois sont déjà là. Elles sont déjà là. Mais ces lois sont déjà là. Pour les mettre en pratique, tu vois, il n'y a que l'exécutif. Le rôle, je viens de parler tantôt du rôle de législatif, mais l'exécutif aussi a son rôle. Et ça a bien dit exécutif. Il est là pour exécuter. Quand on a un exécutif à pied lourd, on rencontre un djedjé tant qu'on exécute qu'il a. Ou pas tout ou pas journal ensemble un gros djedjé. Oh, c'est pas vrai. Bon, bah ouais, ça. Bon, pas qu'on est peut-être que. On pas ça, ouais. Son bon gros djedjé qui président. Ou pas ouais, Michel tant qu'on gros djedjé. Ou pas Préval tant qu'on gros djedjé. Dame d'accord. Non, tout son bon gros djedjé. Non, ça, ça, d'accord. L'exécutif a son rôle. L'exécutif aussi est là. Il n'est pas capable d'avoir les pieds lourds comme ça. Yeah. On ne peut pas avoir un exécutif. Yo, gardons barre qui arrive. Une loi qui votait là dans le Parlement. Il votait par les deux chambres. La loi sur et transformant SMCRS en SNGRS. Ça veut dire quoi? Donne, SMCRS, c'est. Oui, ben Fadra. Qui est occupé de l'amassage d'ordure. Justement, justement. Mais c'est dans l'ère métropolitaine. Uh-huh. Maintenant, SNGRS, lui-même, il vient dans la loi Garibodo. Il vient, il va lui ampleur national et il implique beaucoup plus d'acteurs et créer des points d'emploi et aussi penser à la transformation de ces déchets. Oh, je pensais que vous alliez transformer les déchets. Oui, le SNGRS dans la loi, il y a tout article ça qui expliquait qui destination et qui finalité des déchets et qui quantité de monde qui doit impliquer mairie, c'est une compagnie nationale. Mm-hmm. Donc cette loi a été votée par les deux chambres et à la chambre haute ni à la chambre basse et maintenant publiée sur le moniteur. Un an après, on a encore une directrice de SMCRS en train de faire ça au l'assainissement et à faire usage de l'argent l'État. C'est détournement de fonds ça. Est-ce qu'il y a un budget? Mais il y a joué puisque depuis Palais National dit Balcob. Faut rejoindre Jean-Pierre au Balcob là, il cherche un Jean par un ministère quelconque parce que faut que le travail doit être fait. Mais la première chose à faire, c'est de mettre en application la publication de cette loi pour que le monde qui est habilité apprenne responsabilité ou responsabilité. Tout à fait. Il faut qu'un nouveau directeur de SNGRS et il faut que son bail est adressé. L'exécutif doit prendre ce genre de décision. Mais où est-ce qu'on peut être un gros djedjé, puis il y a un loup, il y a un ou ce d'un bail là qui est extrêmement grave, oui, par exemple. Depuis le palais national d'Ibalcob, ça ne devait pas se faire ici. Bon, attendez, nous avons un pouvoir comme ça. Non, de bon il est toujours comme ça. Donc, il est toujours. Et c'est ça pour changer. C'est ça qu'il faut avoir en tête, pas même à parler du président Jovenel. Son nègre, l'homme de compte parler avec monsieur en vent, monsieur, j'étais bon en même. Monsieur, j'étais nègre, nous avons parlé, et puis nous avons content de monsieur qui a dit des bagailles que moi-même qu'on y a dit, ou bien que nous avons dit. Mm-hmm. Et puis subitement, moi, monsieur, debout des bagailles et qu'on y a voulu parler tout. Regardez, monsieur, je me dis, je vais quitter le couille sous moi, pour que l'on dérange au matin. Je me dis, je vais quitter le couille sous moi, pour que l'on dérange au matin, montrer que leur président est le plus fragile dans le pays. That's it. Couille sous moi. Je suis d'accord avec toi. Oh. Tout le monde maintenant, comme si monsieur vient dans mon aigle, de vous parler et qu'on y a là. Même saleté qu'on a dit, oui, c'est ça qui a énervé avec monsieur. Même ça, lui-même, l'idée qu'on a dit pour changer, qu'on y arrive pour changer, qu'on a dit changer pour changer. Le président change pour changer. Et puis, il y a un bon nègre à côté, il y a un staff qui est les éléphants. Les éléphants les plus lourds. Oh, c'est bizarre. Les éléphants, les cinq conseillers les plus lourds.
Non, même si vous pas cité, même si vous pas cité, mais nous avons dit que vous avez été crié avant. Lalo, on a dit que vous avez expliqué. Ou mon squelette en acier sous ou qui parle de l'eau qui crie pour y a fait mon avis pour un petit vagabond ou garde ou est-ce qu'on a éléphant? I know. Non, mais c'est bizarre parce que tu as contribué à mettre à l'arrivée de Jovenel au pouvoir. Eh bien, moi qui mettais M. Président, oh, yeah. C'est ma place même si tu as prêt à aller comme candidat au Sénat dans notre. Ah bon? Oh, ça veut dire que ou même ou bien M. Place pour la. Normalement, c'est moi qui dis Michel. Ou pas j'entends de Michel qui a parlé, ou pas j'entends de Michel dans ce groupe FM qui a dit que c'est moi, c'est ça que fait toujours après vous, je me dis que je ne vais pas battre comme parce que je suis un constructeur de président Jovenel, avec qu'on y a ma vie de battre comme, même si je me fâche avec elle, même si je me fâche avec elle, sous place, moi, dans la nature, moi. So, vous fâchez à M. là, dans le moment que vous parlé là? Je ne vais pas bien, même. Je comprends M. même. Mais vous l'avez dit, M. avant, dans notre destin? Oui, tout le temps. Et pas si n'a qui bluffe un débat. J'en ai pas pour le lever mort. J'en ai pas pour le lever mort, mais c'est action pour le faire bouger la vie que je ne peux pas comprendre. J'en ai pas pour le chita ou dormir et puis le fin dormir ou lever. Et pour garder le monde qui a fait un comme c'est père Jovenel. Et pour rentrer dans le sac, dans le cimetière gentiment. Le problème n'est pas parole. Son nègre me connaît, son nègre me. Moi-même, je n'ai pas réussi comme ça. Parce que s'il doit réussir, mes amis, c'est que comme t'as tout mon petit monde, et puis le fin encore, moi-même, comme qu'un bel tout faire. Mm-hmm. C'est pas ça, mon vie fait. Mais faut le tendre. Tout à fait. Faut que monsieur quitte. Et puis le président, pas qu'on président pas qu'on fâché. Le président fâché, il a fait gros malheur. Son gros bail, qu'on dit là. Au président qui trouve moi fâché. Au moins, je venais depuis la palette, comme on l'a frappé, le soir. Bon, moi, quand on t'y bouille, qu'on a renié en bon charge. Journal juste pour comprendre que notre position est là, c'est sourire aux lèvres que doit faire toute bagarre avec le calme le plus serein. Comme t'as tout pas rien qu'à déranger parce que tu es président. Ou à cas aussi bon Dieu fâché, là, comment vous comprenez ça, que les pouvoirs, non? Ou à cas aussi bon Dieu fâché. That's true. Et puis il lâche, il y a une planète, il y a une femme à l'autre cas. Et puis quand il y a tout le monde, c'est la fin du monde. C'est grave. On a un président, je me regarde des jeunes toute la journée qui a fâché. Et puis qui convient comme nous, comme les cafés, mon père. Moi, maintenant, il couille sous moi. On est foutu. Alors, c'est que bataille entre l'exécutif et le législatif, là, il faut qu'on prenne pour le finir. Non, il va pas finir. Il va finir, même c'est ça que fait. Oui, ouais. Mais législatif n'a pas 11 anges non plus, non? Attendez, législatif n'a pas 11 anges parce que l'exécutif l'a voulu prendre pour le manipuler comme ça. Et puis, on va écrire la loi du nombre. La loi du nombre qui a fait wrong and strong. Yeah, that's true. C'est-à-dire une fois qu'on a une quantité de monde qui a, après débat, qui dit on passe au vote, et puis on y a même son, le mal est devenu, comme tu as dit, une force incontournable quand on est en face de cette théorie, la loi du nombre. Tu vois, tout à fait. Il y a 16 nègres qui votaient oui, même si ça a été dit. Moi-même, moi, les majorettes, parce qu'ils sont ceux de cette majorité, et mieux, une majorité sans compréhension, je les appelle des majorettes. Ah bon? Parce qu'au fond, le rôle même du Parlement, c'est de créer l'équilibre. C'est souvent mal arrivé pays ça, c'est Parlement vrai, oui. C'est Parlement vrai, mais pas dans ce sens-là, dit là. Pas j'en ai gap fait là, quand on doit faire comprendre que c'est Parlement qui a tout comme pays. Pas fait ça. Et bah ouais. Oh, Evans. Bon, vous venez à chapitre par là. Non, mais dis-moi parce que quand plus mon capitaine de là, quand gado. On fait bagaille. Yo parle de l'argent. Faut mon gagne deux mots à jouer avec là tout. Même président Sénat, on entendait le parler de privilège. Evans, n'a l'école. N'a yo prend tout monde pour égaler. Quand on a le privilège de rencontrer Evans Jean à Radio Solidarité. Le mot privilège veut dire quoi? J'ai le privilège d'avoir une interview avec Evan Jean. Yeah. Le mot privilège veut dire quoi? Ouais, ça veut dire qu'il a un million de gouttes? That's true. Pour le Lambert comme président, tout le monde a parlé des outils de travail comme des privilèges. Vous pensez que en deuxième location, de par exemple, son outil de travail? C'est un outil de travail. Si la personne a déjà, par exemple, une maison à Port-au-Prince. 50e. Si on considère
un outil de travail comme un outil de travail. Et on est qui ont bureau là, car il pas besoin qu'on bureau dans le business. Ou les droits du serveur bureau là, car il n'y a pas comprendre. On dit que l'université est le carrefour, les idées prennent forme. Ils ont tout passé dans l'université, mais ils ignorent complètement que les idées prennent naissance sur la piste des artistes, la piste artistique. Mm-hmm. Probablement, là où elle m'a parlé, elle dit, ah, j'ai chanté, là, chanté. Je ne pas comprendre. L'interprétation. C'est minimisé, minimisé. Il a minimisé. Peut-être pas. Quand même, il n'y a pas même une explication normale à privilège. Quand on a le privilège de rencontrer Donald Trump à Washington, mm-hmm. on peut saisir. Et regardez, Maurice m'a utilisé. On saisit l'opportunité de jouir de ce privilège. D'accord. Oui, mais privilège là, nous bali plusieurs connotations, tu es d'accord? Ou qu'a bali connotation en rapport avec niveau de compréhension. Mais gardez bien sens li et quittez les gens que moun kap fait l'être. Parce que, ouais, par exemple, on est qui parle, on sénateur ou bien député qui parle suivre un match que Haïti a joué Miami. Est-ce qu'on pas pensé, par exemple, que bon, écoute, mis à part le ticket d'avion qu'on lui achète et puis nèg la gen n'importe. Et 20 000 dollars américains à Mel, que vous faites le cadeau. Non, ça c'est détournement de fonds. Ah bon, bah, c'est quoi, pas le privilège. Bah, c'est quoi, t'as mis le nom. Oh non, c'est même pas le privilège. Attendez, ou pas qu'à dire que les voyages d'agrément ne peuvent pas être considérés comme des voyages d'État. Oui, mais il y a des PDM qui dépassaient, par exemple, budget mensuel, le budget annuel, ne pas qu'on ça surfacturation, il y aurait ça détournement de fonds. Corruption. Il y aurait la corruption. Yeah. Mais là, on m'a vu présenter comme privilège, comme Tim Dadou, ou vu généraliser, ou cacher des vissous pour qu'a fait tout le monde payer. Mm-hmm. Et c'est ça que fait M. Didio, Lambert, nous connaissons pas moi-même, pas fait ça. Pas faire ça parce que un outil comment on fait dire que on va aller à Taïwan en voyage d'état pour dire moi va retirer ticket d'avion first class mais mm-hmm. donc on va faire 21 ans chita 21 dans chita dans avion et puis et, en tant que homme l'aimerait veut toi dire descendre dans ti venir chercher dans l'aéroport là puisque et puis chercher on marche en quinca et manger tout mm-hmm. parce que ou va diminuer privilège c'est pas ça les privilèges ou on plaque officiel dans machine nous il prend privilège. On plaque officiel pour accès à des espaces ou du moins exceptionnels avec une rapidité en faisant le travail. Mm-hmm. Ce n'est pas des privilèges, c'est des outils de travail. Ou pas qu'à dire ou dans mon résidence pour me sortir dans l'autre département, je viens siéger à Port-au-Prince, à travailler dans le Parlement. Le problème, c'est que là, on a tout outil de travail. Ça, ouais, pour ne pas faire travail là, ou vin, on est qui faille à mission. Ah, définitivement. Tu mérites d'être sanctionné ou pas réélu. Alors, moi, n'a pas baillé l'autre, non. Par exemple, au privilège, ou se dit, par exemple, gonser de bagaille que les privilèges, ou même où il est outil de travail. Par exemple, la maison, son outil de travail, malgré que Mounsag, nous avons une location déjà dans la police. Laisse-moi te dire, toute bagaille doit être une référence légale. Et c'est ça que fait Joe Lambert obligé de remettre Kaila, parce que lui prend décision sans aucune référence légale. Oui, mais personne ne sait. Ça pas de mettre bagalo grand jour et c'est ça que fait ouais Joe Lambert son nèg pour monde prend précaution avec parce que au fond on n'est pas qu'à dire mon président et on rencontre en cours sénat de la République et puis un collègue il gagne des règlements intérieurs en dans parlement personne mm-hmm. pas monde pas monde qui ange donc il gagne des règlements intérieurs il gagne on processus à suivre pour capable rectifier les erreurs pour capable corriger les erreurs et puis on prend microphone là on vient parler là aller mettre tel côté volaire. Ça veut dire ça montre déjà mon enfantillage qui fait que la même réponse. Eh bien, on va me remettre Del Kouatou ou même aller remettre Kaila, gros Kaila Oloya. Ça veut dire que pour un pays, il y a comme d'autres débats, il y a et puis la présidente Sénat, et puis le vient encore, là, expliquer que comme d'autres, ça, c'est discours pour gagner. C'est du n'importe ça quoi. Ça vient causer que Valérie Numa trouve moyen à parler de nos micros. Mais. Ouais. Oui, puisque Valérie, beaucoup de parle. Pas qu'à comprendre ça qui a passé là. Puisque comment t'as fait que c'est ça au cap discuter, j'ai discuté. Quand je me suis monté de temps pour dire, mais c'est de la merde ça. Et maintenant, Joe Lambert a répondu, et puis en pendant la répondu, et puis il a essayé de faire une explication à une série de décisions que déjà il est illégal. Parce que si il était légal, pas grand pour te faire le retour dans le tout à comment là, sauf fort. 2 ans et demi, je parle sous 3 ans. Ou pas sous 3 ans. Et où était. Un an et quelques mois. Un an, et pas 6 ans, vous voyez, même.
Mon cher, on dit que la Constitution dit que le sénateur a été élu pour 6 ans. C'est ce que je savais. Mais maintenant, ouais, l'affaire du loup et de l'agneau, qui fait de l'exécutif le loup et qui fait du sénateur l'agneau. Donc, pourquoi qu'on essaie de faire ça? Parce que l'autre jour, là, je venais, on va attendre dans le carnaval, moi, tout me dit, l'autre bail qui me dit, on n'a pas le droit à un président révoquer sénateur. Parce que ou pas élu sénateur, ou pas qu'à révoquer sénateur. On doit baser sur des articles de la Constitution qui bon, doit être sans mauvaise interprétation. Puisque pas paraître qu'on comme t'a douce gros négouillé et qu'on dit ou il retourne sous décision hein, ou pas changer le gain pour révoquer 10 sénateurs. Parce que même pas qui phrase qui plus clair que ça, le sénateur est élu pour 6 ans. Bon, sous dit moi je non l'autre phrase. Qui c'est pour l'autre phrase a dit on a menti à tel paragraphe parce que c'est pas pour 6 ans vrai. Mais si pas qu'on l'autre phrase qui dit on a menti. On est d'accord que l'exécutif doit avoir le même genre tout. Par exemple, il doit avoir que c'est nous-mêmes qui louons et même c'est à nous tout. Non, mon cher. Non, mon cher. Peuple-là qui victime. On est les représentants du peuple. Là où on est capable. Et l'exécutif. L'exécutif. Il est élu aussi. L'exécutif est élu dans l'autre forme. Et, m'a gardé bien pour vous, la décision au niveau de l'exécutif, c'est la décision d'une personne. Mais la décision au Parlement, c'est une décision après débat. Qui impliquait ouais. Tout qui reflète la souveraineté nationale. Oui, mais quoi que nous toujours faire, justement pour trouver le petit avantage. Non, pas tout ça, c'est ça qui fait jouer la vie dangereuse. Les vignes, parce que pas tout ça. Du n'importe quoi. Events, hein. Events, on va avec ça. Éducation pour beaucoup. Un honnête acte. Si nous gagnons, ou d'un parlement, la démocratie d'où c'est mon qui est élu, c'est lui. C'est lui. Quel qu'on lit, quel pas qu'on lit. Tout à fait. Quel qu'on écrit, quel pas qu'on écrit. Et souvent, mal, ou qu'on lit, ou qu'on écrit, ou permet tout, à venir juger parce qu'elle pas qu'on lit, c'est où qui place au bas là. Parce que devoir en tant que société, ou qui qu'on lit, c'est quitter accès à